o conse- ¿cuál es el conseguir? ¿Mm? ¿Le puse la seca qué? ¿Qué le dicen? La cedilla. ¿Me tiraron? La cedilla, ¿cuál es el conseguir? ¿Cuál es el conseguir? Le puse la cedilla, le puse la cedilla. ¿Es? ¿Dónde está la? Sí. Sí, se pronuncia. ¿Con su vida cuál? ¿Qué le pone la cedilla? ¿Sabes cómo está? ¿Me? Sí. Quand se prononce quoi? C'est la distance. Quand elle n'a pas souri la cédille. Lui c'est quoi? Il est mort. Il est mort. Il n'a pas de solution à ce problème. Parce que c'est la cédille qui lui donne une solution à ce problème. La cédille c'est simple. Et c'est, voilà simple. La lettre qui sont là. Il a E, voilà son majuscule. Et son majuscule c'est ceci. Le majuscule dit quoi? Voilà le majuscule E. Et c'est de tourner le majuscule. Quand le tourne, on trouve quoi? On trouve ceci. Et ceci, c'est quoi des distances en mathématiques? C'est comme ça. Donc, c'est la cédille, c'est lui qui donne l'existence. Il donne l'existence à quoi? Regardez le E minuscule. Dans ça, vous résumez un. Vous résumez quoi? Voilà le E minuscule. Et la C dedans. Et là, c'est quoi? Le symbole d'appartenance. Le voici. Le symbole d'appartenance. C'est comme ça. Donc, la cédille, c'est la cédille, c'est lui qui donne existence à C. Et c'est ça appartient. C'est ça appartient. C'est comme ça. C, c'est la cédille, il ne s'appartient pas. C'est un assort qui est quoi qui est mort. Il ne s'appartient pas, il est possédé. Il est possédé par quoi? Il est possédé par 6. Hmm? C'est pourquoi? C'est, voilà, c'est quand on met la cédille sous lui, ça donne quoi? Ça donne la fraction, ça donne une fraction, 3 sur 5. Parce que c'est R, c'est quoi? Et quand c'est à l'époque 0,6. Donc, quand c'est, quand la cédille est sur lui, et que le 6 là est annulé. C'est comme annulé. Ça donne 6 annulé. 6 ça, c'est ça qui est le carbone. Satan, lui qui possède. 6 là, c'est ça qui est Satan. Le carbone, lui qui possède. Vous êtes C. C'est comme ça. 6, vous dites quoi? Dans 6, vous voyez pas, vous voyez? Vous voyez C dedans? Vous voyez aussi le symbole d'appartenance. Voilà le symbole d'appartenance. Il dit, C lui appartient. C lui appartient. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire que quoi? C'est quoi? C'est un possédé 6. C ou n'a pas la cédille. Quand la cédille, quand la cédille sur lui, le 6 disparaît. Quand il n'a pas la cédille sur lui, le 6 est avec lui. Satan est avec lui. Le carbone est avec lui. C'est comme ça. Donc, plus il est dans le nom rationnel, le conseiller, il invite quoi? Il dit attention. Et vous faites quoi? Il faut placer la cédille. Mettez la cédille. Parce que une fraction où le dénominateur est 0, ça n'a pas de sens. Une fraction où le dénominateur est 0, ça n'a pas de sens. En pratique, on dit absurde. C'est comme ça. Donc, c'est seul. Sur la cédille, il n'y a pas une fraction au point où le dénominateur est 0. Juste la cédille et le dénominateur. C'est comme ça. Bon, ça n'a pas de sens. Absurde. Il ne bute pas. C'est comme ça. C'est comme ça. Et c'est, il fait quoi? Il refuse. C'est la cédille. Voilà, c'est. Non. Non, il ne refuse pas le conseil. Il refuse d'obéir. C'est comme ça. Et dans ce cas, lui obéit. Lui obéit au conseil. Au conseil. C'est comme ça qu'il obéit au conseil. Il fait la cédille comme une place. Il fait juste comme ça. À classe, il va réfléchir. Sur le sel de couvert et du pour. Et du pour quoi? La cédille lui vient, laissez-le voir. Ça vient et on étudie les selles. Et ça t'apporte les billes. Et puisqu'il est réfléchi sur la volonté de Dieu, je vais l'expliquer, c'est ce que explique le cas minuscule, qui est quoi? Dans, qui est dans un patron PL, c'est-à-dire PA le remords, c'est-à-dire PL, c'est-à-dire que, qui désavoue la règle, c'est-à-dire qu'il utilise le compas, et c'est ça qui.